Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Crash Bandicoot sur PS4. On se situe encore sur les îles Boompa. Je ne sais pas quand le premier opus va finir. Nous sommes à Castle Machinery, d'accord. J'aime pas trop le nom. Les noms, mais j'aime pas. J'aime pas du tout. Je sais pas du tout ouais, quand c'est la fin. Est-ce qu'on est au dernier mont? Je pense que oui, parce qu'on a l'air de monter et pas de changer d'île. Pour moi, à mon avis, on est à la fin du premier opus de Crash Bandicoot. On verra ça tout de suite, de toute façon. Donc ça, on peut pas le faire, bah parce que c'est un niveau bonus, il y a des vies et tout. Oh. C'est fait exprès? Ah oui, c'est fait exprès. D'accord. J'ai eu les jetons, j'ai dit merde, ça s'est fait haut quand même. Et là? Non? Oh non! Et j'ai fait... Et vous l'avez vu, j'ai fait carré. Hein. C'est... Ah oui, parce que c'est la fin du niveau, là, d'accord. J'avais pas fait attention. Genre, on meurt pas. Voilà. Ça va être plus vite, comme ça. Vous voyez comment je suis prêt? C'est impressionnant, hein. Il se déplace pas, Sabrina. Je viens de faire une énorme connerie. Une énorme connerie. Là, j'ai très très mal joué. Il faut que j'aille sur le côté. Et bah, recommence. Allez, c'est parti. Allez, on redescend. Direct sur les fesses. Hein. Je sais pas du tout où ça mène, notre plateforme. C'est une curiosité, là. Voilà. Là, on fait ça. Donc là, on fait comme ça. Voilà. Et il y a de la 3D. Il y a une fonction 3D là-dessus. On se met un peu plus par là. Parce que sinon, on va tomber. Oh là. Alors, je me remets dans le bain de la 3D parce que... Oh là, c'était... Oh là, normalement, j'aurais dû mourir. On est bien d'accord. Oh! D'accord, ok, c'est le troll. Il m'a prank. C'est qu'à te le dire. Il m'a prank. L'enfoiré. Je vais en mettre dedans parce que je joue à Destiny, donc forcément, c'est pas du tout le même jeu. Hein. Nous sommes bien d'accord. Faut se remettre dedans, quoi. C'est. Allez. D'accord. Faire gaffe, hein, ici. Un petit totem. Ok, alors après, on a ça. Bon, j'avance, hein. Bon, j'avance, mais pas trop quand même. Faut aller en bas? Je pense que oui. On descend. Là aussi, je pense. Hein. On se laisse guider hein, par les tapis. On a confiance quand même. Le premier checkpoint est là. Il est présent. Je fais gaffe maintenant. Je me suis fait troller une fois. Fais gaffe parce que ça peut nous tuer les tuyaux bouillants comme ça. Ok, alors je sais absolument pas comment éviter le truc, hein. Là la 3D est vraiment bizarre. Hein. C'est... Une petite vie qui fait plaisir. Ah, petite vapeur, faire gaffe. J'ai paniqué, excusez-moi. On va attendre juste que le... Voilà.
Donc là on descend, hein, c'est juste des escaliers. Ah, on va où? Bah par là, je pense. Oui, avec un checkpoint, ok. Oh là, c'est un peu du pif, hein. D'accord, ok. Là, c'était comme les tortues, en fait, hein. Mais comme j'ai eu un totem, j'ai eu de la chance. Les plateformes, pour moi, elles bougent, les jaunes, là. Je vous avoue que là... Ah oui, c'est des plateformes qui... C'est vrai. Voilà. Donc là, on va récupérer plein de pommes, c'est génial. Voilà, deuxième. Voilà. Ok, on va où maintenant? On va en face. Non, pas du tout. On va en bas. Voilà. Bon. C'est un peu du pif, hein, ce niveau. On sait pas trop où on doit aller, hein. C'est un peu... Ouais, ça, c'est un coup à se faire avoir, ça. Ça, c'est quoi? Des plateformes, ça ne bouge pas, donc c'est bon. On récupère toutes les pommes. Il faut récupérer les pommes le plus possible. Ah, désolé, c'est vomitif ces passages-là quand ils sautent comme ça. Même moi au montage, je suis comme ça. Ça coiffe une meule de crâne, quoi. Voilà. Ah, un checkpoint. On s'en sort pas mal pour l'instant. Je vais pas me plaindre. Surtout pas. Faut pas se plaindre, non, plus jamais. Sinon, on pète un câble facilement. Ouais, j'aurais pu mourir là. Là aussi. ok, je considère ça en bas, hein. Ok, on va attendre qu'il remonte. Je considère que là aussi on descend. Je m'en fiche des vies, hein. Franchement là, c'est trop dangereux. Là, franchement je zappe les vies, hein. Rien à foutre. Oh. Ok, ensuite. Ah zut, j'ai oublié de faire carré. Ma faute. D'accord, ok, bon. Là, on laisse tomber. Hop. Voilà. Je vais même plus voler aller, comme ça. Ah, les petites vapeurs. Ah zut. Et comment ça marche là? C'est 1 sur 2, c'est comment? Mais c'est là, j'ai pas trop compris là. C'est 1 sur 2 il me semble. Bon, c'est pas grave. C'est pas comme si on mourait 50 fois non plus. Voilà. Voilà. Ok, alors ça marche comment leur vapeur? Non! J'ai fait la même erreur! Je fallait que j'attende un tout petit peu! Je suis trop pressée! Je suis trop pressée! Oh non, ne me dis pas que je vais avoir un game over, s'il vous plaît, il me manque une vie, quoi! Ah, ce serait tellement dommage! On s'est tellement bien débrouillé là! Voilà. On a combien de pommes? 97. Oh. Ok, donc là ça. Et je fais la même connerie à chaque fois. Je suis juste trop pressée, quoi. Et là je vais faire un game over pour des conneries, quoi. Je suis sûre.
Mais c'est tellement dommage, quoi. Je suis sûre que je vais avoir un game over, c'est tellement dommage, on est bien d'accord. Voilà, alors voilà. J'ai gagné une vie pour en perdre une. C'est pour ça que je ne prends pas ces vies-là. Tout simplement. C'est trop risqué. C'est bien trop risqué. Faut pas risquer le jeu comme ça quand on joue à Crash Bandicoot, surtout pas. Faut pas récupérer les pommes là. Ah zut. Non? D'accord. Ok. Bah c'est un game over, voilà. C'est un game over pourri. Voilà. Alors, les vapeurs. Ah, j'ai réussi à passer. Et c'est une fin de niveau. Je vais pas me plaindre, il était super simple celui-là. Je suis juste un petit game over pour des trucs bêtes. Mais franchement ça va. Hein, on a connu plus dur quand même. Donc c'est très très bien. J'aime bien ce genre de niveau, ça fait un peu de bien. Ça donne envie de rejouer au jeu quand même. Parce que des niveaux que rageants, non je peux pas. Donc voici le premier niveau de cet épisode. On va s'attaquer au deuxième. J'espère de la même difficulté, ce serait pas mal. Docteur Nitrus Brio, donc nous sommes dans un boss, carrément. Prends ça dans ta tronche. Il me semble que le point violet, c'est Stormy Ascensa. Je ne suis pas sûre, hein, mais bon, on ne sait jamais. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, le Docteur Nitrus Brio. Voilà, première fois. Voilà. Deuxième, ou bah, troisième même. Allez. Voilà, on a évité. Voilà, donc là il va se transformer. J'ai ma caméra qui s'est coupée. Deux secondes. Et vraiment, c'est au moment où je vous expliquais un truc, forcément, la caméra se coupe. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, à partir du moment où le boss est là, vous allez voir. Ah, faut éviter, faut que j'arrive à éviter ça, ce serait pas mal. Voilà, bon là, j'ai évité toutes mes violettes. Il va se transformer en super Hulk, là, de la mort qui tue. Un bloc de béton va tomber, un bloc de pierre. Voilà, il faut juste lui sauter dessus en s'aidant des blocs. Donc là, il faut attendre qu'il vienne vers nous. Deuxième fois. Troisième fois, voilà, c'est tout. C'était tout bête. Genre, oh, c'est un trophée en or, mais trop bien. C'est excellent. Ah pourquoi trophée en or? Ça veut dire quoi? C'était le dernier boss? C'était pas lui le boss de... Oh non, c'est pas le buff final. Impossible. C'est pas lui. C'est pas lui le grand méchant, lui c'est juste le bras droit de... Du docteur... Il me semble que c'est Cortex, hein, mais... Oui, c'est ça, c'est ça. Si j'ai un doute, je dis ça depuis le début, ça se trouve c'est même pas ça son nom. Dis-toi que c'est Cortex. Le laboratoire. Oh là là, ça sent... Il y en a encore combien comme ça? Ouais. 1, 2, 3... Donc du coup, ouais, alors je pense qu'on est à la fin du jeu, hein, je pense. Hein. Du premier opus, du moins. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Me suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube et surtout les petits loups. Je vous fais de gros bisous, ciao, ciao.